J'ai encore gratté la terre. À chaque fois, j'essaye de retrouver la roche. Ce qui pousse le plus dans ce terrain et partout, c'est les acacias. D'ailleurs, des acacias, là où c'est pas entretenu, il y en a partout. Va voir cette roche un peu. Je fais un parcours de VTT, parcours de trial à la maison. Donc là, j'y vais avec la pelle, la pioche. Ça passe en VTT là. Hop. Et là, regardez un peu, c'est les pierres que j'ai eues hier. Voilà la roche. Porte du paradis. C'est le pierrier de la fraternité. Pas mal, hein. En VTT, j'en connais plein là sur Facebook quand je les voyais en Coupe d'Auvergne, c'est impressionnant les gars. J'ai une pensée pour Fils Routin qui est blessé. Dis donc toi. Bon courage à Fils Routin. Voilà, le pierrier de la fraternité. Et hier quand j'ai gratté, voilà ce que j'ai récupéré. En fait, il faut les trier. Après, je m'en sers pour les murer, mais au bout d'un moment, j'arrête. Et regardez un peu les grosses pavasses de hier. Celle-là, pareil. Je vous dis, j'habite sur les pierres, moi. C'est des pierres, des pierres, des pierres. Allez, c'est week-end, c'est férié, on en profite. Il fait beau, on va aller faire du VTT électrique. Oui, oui, vous avez entendu. Je vais faire du VTT électrique. Je vais enfin tester ce vélo.